Coucou, petite pâte d'aubergine featuring gombo sur vous matin là. Voilà, pour me poulet. Hein? Ici j'ai des gombos, j'ai pris les 2 tons de gombo, les 2 tons d'aubergine. Dans une cocotte, je vais rajouter de l'eau. Vous pouvez laisser l'eau chauffer. Je vais directement rajouter des aubergines et mes gombos. Je vais saler un tout petit peu. C'est devenu avoir oublié. Ça, c'est petit qu'elle a là. On va couvrir, laisser tout ça là bien cuit. Ici, je pense que mes gombos et mes aubergines sont cuits, mes légumes. Je vais les retirer pour les écraser dans un talier. Voilà. On va écraser comme ça. Je vais écraser bien, 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 bien lisse. Après avoir obtenu cette texture, on passe à la prochaine étape. Dans la même cocotte, je vais rajouter de l'huile rouge, huile de palme. On va laisser bien chauffer. Je vais rajouter des oignons que j'ai coupés en lamelles. On va laisser frire. Par la suite, je rajoute mes grosses aubergines que j'avais fait cuire avec les autres légumes. On va mélanger puis renverser ma pâte de gombo et aubergines que j'ai écrasées au talier. Je rajoute la poudre de crevettes. La poudre de poisson, du sel. Ouh, il y a eu la main lourde. Mon bouillon d'assaisonnement qui va remplacer le cube d'assaisonnement. Pour tous ceux qui seraient intéressés, un peu de sous-marin. Beaucoup d'un. On a fait des sous-marins en poudre, tu peux pas. On va bien mélanger comme ça. Vous allez goûter, rectifier l'assaisonnement. Il manque encore de l'huile rouge. La quantité de l'huile va dépendre de vous. Donc, en commentaire, là, dosez un peu, quoi. Vous pouvez critiquer, mais dosez un peu. J'ai rajouté un peu d'eau. On va. Fermé, piment, pardon. Piment en poudre, bien fort là. Et on va laisser le tout faire pitot, pitot. Encore l'huile rouge. Ça va pas comme ça. Vous voyez? Pitot, 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 pitot. Et vous dit, ça avec du riz, avec un peu de poisson frit de côté. Oh my God. Waouh. Je suis contente aujourd'hui là. Il y a quoi? Mon chien, même quand c'est mort, faut rire. Voilà, petit poisson. Et voici le résultat. On va déguster un peu. Ouh, ce poisson a été assaisonné avec mon épice de barbecue. Voyez. So, baba yo. Oui. Ben, c'est biblique sur vous maintenant. Au revoir.